Ensuite, on prend direction au département nord et là, on peut aller sur Monpilboro. Il y a longtemps depuis qu'il y a un travail qui a fait au niveau Monpilboro. Travail, on mettait asphalte et béton. Et comment ça y est pour le week-end là? À quel niveau de travail y est? Qui s'est déjà fait? Qui s'est été pour faire par rapport avec Karessa? Nous connaissons qui depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Semaine ça, Richardson Joudac, PM Jean-Baptiste, pour permettre une bonne idée de qui Jean travaille y est avec présence Caravana, bien entendu, dans Monpilboro, département de pays. Nous avons continué à montrer en image ensemble le travail qu'a réalisé dans le pays. À côté nous, là, c'est Monpilboro. Il y a une série de côtés qui peuvent être asphalte. On regarde avec nous là, c'est asphalte qui continue à mettre dans Monpilboro. Plusieurs techniciens là, ils mobilisés avec appareils là, chargés matériel dans le monde là, en façon pour être capable de continuer à mettre asphalte dans Monpilboro. Nous avons quitté regarder l'image avec nous, pour comprendre qui ça a fait dans Monpilboro. Regardez l'image avec nous.
Là, nous sommes Simon Bilbao, on a continué à rouler avec Richardson Jordan, avec Pem Jean-Baptiste, puis Wilson Jean-Claude, monsieur a roulé sérieusement. Et là, nous prenons le fond de campé sous tronçon Plaisance Kakok. Nous trouvons nous qu'on y a dans le département nord pays d'Haïti. Là, nous sur route Plaisance Kakok. On regarde là comment le travail a continué sur route ça. C'est dalle au cap fait, élargissement continue à faire, terrassement cap fait, et puis tout un bon technicien qui là avec matériel yo sur boule désert yo en façon pour capable ouais comment on a fini avec travail ça cap fait sur route Plaisance Kakok là. N'a plutôt ou même qui la kaou garder image avec nous. Grâce à l'image ça yo wap wè ki sa kap fèt sou route Plaisance Kakok la. Tortellus family. Travis family.